2011, j'ai subi une arthrodèse lombaire pour une hernie discale gauche. Lors de mon séjour dans un établissement de rééducation fonctionnelle, ils se sont rendus compte qu'en fait, je ne pouvais pas faire de vélo parce que je souffrais trop et que je ne pouvais pas m'asseoir ni trop marcher. Donc, je souffrais terriblement, autant du dos que dans l'aine de la jambe. Et c'était tellement compliqué pour moi qu'en fait, le médecin a décidé de me laisser justement en balnéothérapie parce que je suis intolérante aussi aux anti-inflammatoires, donc je ne pouvais rien prendre. C'est une spirale qui vous amène jusqu'au point de vous dire qu'on se sent inutile. Déjà, vous êtes un peu démunie de vos capacités, hein, même beaucoup, j'étais très invalidée. Je me suis vraiment battue, et j'ai perdu espoir à un moment donné jusqu'à ce que je rencontre une personne du corps médical qui devait prendre une décision pour ma vie professionnelle, qui m'a orientée chez un jeune médecin qui venait d'arriver à Marseille pour une proposition de neurostimulation. Et que j'ai accepté. C'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Je pouvais m'asseoir, je pouvais marcher, je pouvais recommencer plein de choses que je ne pouvais plus faire avant. J'ai pu reprendre la natation, j'adore me baigner et j'adore nager. J'ai pu refaire plein de choses avec mes enfants, notamment des petits voyages que je ne faisais plus et que j'avais mis entre parenthèses pendant quelques années. Quel que soit le membre ou quel que soit les douleurs, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il existe des solutions pour vous sortir d'affaires et vous sauver la vie.